d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire, éléphant. Venez, venez, éléphant. Za. Eh, Ring Bahi. Titan, tiré, penalty, André, Miss Côte d'Ivoire, ya, ouah, ouah. Ring Bahi. Eric Bayo, tu t'en tires penalty en direct, tu t'en dans un. Eh, Dieu! Eh! Eh! Nya wawo! Yeah! 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 Mon cœur! Je vais mourir aujourd'hui là-haut, je vais mourir, attrapez-moi! Je vais mourir! Eric Bayo! Za! Za! Nicolas Bébé! Tu as eu 90 minutes pour marquer. C'est un penalty maintenant. Tu es un yawawo. Les Camerounais vont nous tuer. Les Camerounais vont nous manger. Les Camerounais vont se moquer. Nyawa. Ah! Ah! Aidez-moi. Wow! 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 Yeah! 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 On peut faire ça! Aïe, wow! Nya! Ah! Mon cœur, il est mouru! Eh! Palpitation! Eh! 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 Il y a pas de l'eau! Oh, il y a pas de l'eau! Laissez-moi boire de l'eau! Wow! Wow! Laissez-moi boire de l'eau! Yeah! 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 On peut faire ça! Eh! Côte d'Ivoire! Oh! Éléphant! Oh! Emmène nos cœurs sur vous! Oh! C'est toujours comme... Eh, nawawo! Yeah! 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 Venez! Venez, 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 venez! C'est gâté, c'est gâté! C'est gâté! C'est gâté! C'est gâté! C'est gâté! Wow! Les Camerounais vont nous manger! Les Camerounais vont nous manger, oh, les gars! Oh! Ouh! 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 Partagez la vidéo! Yeah! 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 Tout le stade supportait les Égyptiens. Le Cameroun nous a fait ça. Le Cameroun nous a trahis. Le Cameroun nous a fait ça. Nos joueurs veulent tirer les pénalties. Les Camerounais qui... Ah! N'y a pas parlé. Wow! Wow, mon cœur! Bon! Ah! Cameroun mourit. Comment... Yedamba! On peut... Wow! Wow! On fait pleurer tout un peuple. À quelle heure? À 18h! On fait pleurer un peu par 18h, nya wawo, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Mathieu, 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 c'est gâté. Oh, oh, tu dis quoi? C'est pas bon, 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 c'est pas bon. Eh, Mathieu, ils nous ont fait ça. Mathieu, ils nous ont fait ça. Oh, ils nous ont fait ça. Nyawa. 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 Eh. Il a dit, voilà, ballon. Patrick Bailly. Eh, Eric Bailly. Titi Penati en direct, mais ça, yawo. Eh. Eh. Za. Za, on est éliminé. Pepe. Pepe, on est éliminé. Hein? Donc, on est éliminé. Coupe d'Afrique, elle est finie. Nyawo, 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 nyawo. On peut faire ça. Nya. Hey, on va pas dormir aujourd'hui là. Wow, les Camerounais nous ont trahis. Hey, hey, hey. On peut faire ça à son propre frère. Camerounais, on peut faire ça à son propre frère. Oh! Ah, ah. Bon, les amis, nous avons perdu. Quelqu'un écrit, Eric Bailly a vraiment bailli. Bon, les gars, je m'appelle Camille Makosu, le guerrier ivoirien. Moi, je n'ai pas venu m'asseoir pour dire que non, nos joueurs ont bien joué, ils se sont bien battus. Hé! Moi, je ne suis pas dans ça. C'est si ça, les noms, ils ont bien joué. Hé! Hey! Je ne suis pas dans ça. Quand tu joues bien, tu remportes la victoire. Parce que l'Ivoirien a toujours cette mentalité. C'est pas grave.
J'ai dit, on est éliminé. On est éliminé. Les Camerounais vont nous accompagner à l'aéroport. Les Camerounais vont nous accompagner à l'aéroport. On va dormir aujourd'hui à 19h, on est éliminé. C'est fini. On a eu 90 minutes pour mater cette équipe égyptienne. Avec plus de combien de blessés? Jusqu'à le gardien blessé. Mettre un seul but. On n'a pas été capable de le faire. Mes amis, il faut maintenant que nous fassions le bilan. Non, partagez la vidéo, mais il y a parlé. Il y a des gens qui auront peur de parler. Moi, je vais parler. Et tu vois, mon général, quand je parle, c'est là. Je vais avoir des gens qui disent, non, vous avez vu, vous avez parlé du Cameroun. Le sort, c'est pas sort. Il n'y a pas sort. C'est match, c'est sur le terrain qu'on joue le ballon. Combien d'opportunités on a eu? Regardez la première mi-temps. Désordre total. Désordre. Oh, ils vont nous, les Camerounais vont nous accompagner à l'aéroport. Hein. Les Camerounais, partagez la vidéo, je vais leur parler. On est éliminés. Voilà. On a parlé. Voilà maintenant les sorties. Oh, voilà maintenant les sorties. Là, j'ai dit. La mère con de l'arbitre qui a habité le match là. Il nous a refusé nos pénalties. Son maudit. Chaque 5h du matin, ce petit Congolais là. Son pas bien. Tous les 5h du matin quand il se réveille. Ils nous ont volé notre victoire. Le pénalty, ils nous ont arraché ça. Mais mes frères, mes amis, partagez la vidéo, on se parlait. Partagez la vidéo. Hey, les Camerounais, voilà, nous, on est dans vos mains. Hey, les Camerounais, on est dans vos mains. Oh, insultez-nous. Aujourd'hui, là, vous avez gagné. Oh, Camerounais, insultez-nous. Oh, vous avez gagné. Vous nous voici. On est assis par terre. On peut faire quoi, Toto? Voilà nous. On est éliminés. Vraiment. Mes amis, oh. Venez. On est éliminés, oh. J'ai payé mon maillot. J'ai dit cette fois-ci, nous allons au Cameroun, oh. Nos enfants vont mouiller le maillot. Za, tu m'as fait ça. Entraîneur de Côte d'Ivoire, ton barbier, il est là, tu ne peux pas l'enlever depuis longtemps. Entraîneur de Côte d'Ivoire, ton barbier, il est là, tu ne peux pas l'enlever depuis longtemps. Yeah! On vous attend ici. Mes amis, partagez la vidéo. Il est mouillé aujourd'hui là-haut. Ils m'ont fait ça à moi. Un vieux monsieur comme moi. Voilà. Vital aussi est parti au Cameroun. Pourquoi? Je vous ai dit, méfiez-vous de Pétou. J'ai dit, méfiez-vous de Pétou. Je vous ai dit, méfiez-vous de Pétou. Toutes les filles là se sont levées. On s'en va au Cameroun. J'ai vu les anciennes miss. On s'en va au Cameroun. Pétou, qui es-tu? Pétou, pourquoi? Mon cœur va se tuer là encore. Camerounais, vous nous avez trahis, Camerounais. Amusement de Facebook là, vous avez mis ça dans votre cœur. Camerounais, c'est à nous, vous avez fait ça. La magie camerounaise. Incroyable n'est pas, impossible n'est pas camerounais. Pas. Ils sont allés même au stade. Quand nos joueurs viennent dire, ouh, les Camerounais sont devenus égyptiens. Adama, on peut avoir la haine comme ça. Partagez la vidéo, je vais parler. J'ai dit, partagez-moi la vidéo. Je vais parler. Je dois parler. Vous qui êtes sur Instagram là, allez sur ma page Facebook. Allez sur ma page Facebook. Ce soir, on va tout gâter. Non. Hey. Je vais tomber. Mathieu. On est éliminé.
Les gars, on est éliminé. 20 villes, on est éliminé. Yeah! Gawa! Les gars, Gawa! Yeah! 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 On est éliminé. Wow, 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 yeah! On est éliminé. On est éliminé. Attends, je rêve. Je rêve. Je vais laver ma figure, je rêve. Non, je vais me réveiller. C'est un rêve. C'est un... Le diable veut m'attaquer. Non, c'est un rêve. C'est un rêve. Makoso, réveille-toi. Le match d'abord va commencer. Voilà. Voilà. Yeah! On est éliminé. Yeah! Yeah! On est éliminé. On est éliminé. On est éliminé. On est éliminé. Za! On est éliminé. Sérieux Dieu, oh, on est éliminé. Badara, tu n'as même pas pu attraper un seul ballon qui au bidet, nyawa. Ah, wow, 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 on a fait quoi? 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 Nye, on est éliminé. Papa parle bien, papa nous voit en finale. Hé, hey, hey, Joliette, oh. Jojé n'a pas bien mourouillé, oh Jojé. On t'a demandé de faire le travail là, tchoukou tchoukou Jojé. Jojé n'a pas bien travaillé. Et nous Zunon ton mot, dit, oh, et dit Zunon. Zunon, Zunon ton nom, dit fétiche, tu n'as pas bien fait les affaires. Yeah, 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 yeah. Mawo, 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 on est foutu. Les Camerounais vont nous manger pendant au moins 20 jours. Yeah, 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 yeah. Pépé, 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 j'avais dit dès le départ, ah, moi aussi, ah, Eric Bailly, va, connaît, ah, entraîneur de Côte d'Ivoire, ton bas bien, pourquoi tu n'as pas fait sortir il depuis le début pour mettre ça, ah, Eh, hey, Drogba, oh, Drogba. Ah, yeah. Eh, hey. On est pas déjoué, ballon là, mais on est éliminé. Yeah. Yeah. Ah, laissez-moi boire un peu d'eau. Ah, ah. On est parti, on est sorti du pays de Jean-Michel Kanka. Eh ah. Mm. Ah. Hey. Camerounais, on vous respecte. Non, non, non. Mathieu, à partir d'aujourd'hui, je supporte le Cameroun. C'est bon. Non, c'est bon. Mathieu, voilà. Quand tu n'as pas traversé l'autre rive, ne te moque pas de celui qui se doit. Impossible n'est pas camerounais. Ils ont géré la maman tout doucement. Taisez-vous, faites pour vous. Oh, voilà, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Mes amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je dois parler. Partagez la vidéo, je dois parler. Je dois parler. Non, je vais parler fort. Je vais parler fort, je vais parler fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons commencer à faire le point du match. Numéro 1. Je vous pose la question. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de vrai et quelqu'un de franc. Et tout le monde sait que le général Camille Makoso, numéro 1, je n'ai peur de personne en Côte d'Ivoire. Numéro 2, je parle comme je veux. Je parle à qui je veux. Personne en Côte d'Ivoire ne peut dire Makoso, tu as tort. Jamais. Personne ne peut m'amener la convocation pour dire Makoso, tu vas en prison. Il a tapé poteau. Nous sommes au pouvoir. Mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Dans la vraie vérité, il faut qu'on se parle. Mes amis, la Côte d'Ivoire a perdu. On est éliminé de la compétition. Au tir au but. On a eu toutes les opportunités de mettre un seul but. Un seul but. Opportunité vient. C'est Zaha qui est devenu handballeur. Il prend avec sa main. Nous sommes désormais éliminés de la compétition.
compétition. De la canne sucrée. Les Camerounais vont laper le sucre de la canne sans nous. Je vous informe maintenant, dès lors, je supporte le Cameroun. Ça, je le dis clair. Je ne serai pas dans l'hypocrisie. Je le dis moi-même, dès le départ. On a vu que le Cameroun est une équipe, est un pays sur qui personne ne voulait miser. On a vu le complot. Camerounais, vous avez souhaité qu'on perde. Maintenant, on a perdu. Le palabre est fini. Non, bon. Maintenant, on est éliminé. On n'a plus le choix. Là, on n'a plus le choix. On est éliminé. Nous étions en couple. Vous avez souhaité notre élimination. On est maintenant sorti. On fait comment? On fait comment? Là, on fait comment? Oh, Camerounais! Je vois déjà les Ivoiriens qui vont commencer à souhaiter que le Cameroun perde cette compétition. Non, n'entrons pas dedans. Non. Ça, je le dis directement. N'ayons pas cette attitude. Les Camerounais ne nous ont pas soutenus parce qu'ils estiment que nous sommes moqués d'eux. Nous avons insulté leur pays en les traitant de tricheurs. Nous, là, on a combattu contre l'Égypte. Nos joueurs ont mouillé le maillot. Ça, là, je ne pourrai jamais venir dire qu'on n'a pas mouillé le maillot. Jamais. En premier mi-temps, c'était catastrophique. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe qui avait envie. Et comme d'habitude, face à l'Égypte, qui est notre bête noire, nous sortons de la compétition. On ne va pas cracher sur notre équipe. On ne va pas insulter notre équipe. On ne va pas venir dire aux joueurs, vos barbiers, vos mondiaux. Non, cette équipe-là, Bailly, malgré qu'il était blessé à la tête, a accepté de jouer. Bailly, c'est un pénalty que tu as raté. Ça ne veut pas dire que tu as raté ta compétition. Bailly, nous là, nous te disons, Yako, tu as joué, tu as perdu. Tu n'as pas pu mettre le but, c'est pas grave. Nous les Ivoiriens, moi personnellement, général, je ne serai pas de ceux qui vont venir pour accuser l'équipe. Non, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'est battue à tous les niveaux. On a vu une équipe qui s'est battue. Maintenant, l'année prochaine, c'est nous qui recevons la CAN. Notre palabre maintenant, c'est que si Didier Drogba n'est pas à la Fédération Ivoirienne de Football, et puis moi, Camille Makoso, je ne suis pas dans le staff de l'organisation. Parce que dans l'organisation de la prochaine CAN, il faut un esprit de la mamaille. Il faut un mamailleur en chef. C'est moi. Si je ne suis pas dans cette équipe-là, c'est fini. On perd. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. L'année prochaine, nous organisons la CAN. Cette CAN était pour nous, considérons-la comme un entraînement. Nous sommes allés voir quelle était l'équipe type de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons quelle est notre équipe type. Nous connaissons notre système de jeu. Sauf que les Ivoiriens, au départ, ont joué avec la peur. La peur du nom égyptien. Sinon, il n'y avait rien en face. À part Mohamed Salah, ça a été maîtrisé. Il y a qui en face? Il n'y a rien en face. Vous êtes battus. Vous n'avez pas gagné. Prenez le soin de savoir que vous n'êtes pas tombé face à une équipe, un équipeton. Si c'était le Comor qui nous avait éliminés, on allait vous taper ici. Si c'était, je vous ai dit, la Gambie qui nous avait éliminés, là on vous cascadait. Nous avons éliminé le champion d'Afrique, l'Algérie. Nous nous sommes battus face à l'Égypte. Combien de fois champion du monde d'Afrique? Une grande équipe de l'Égypte. Avec l'un des plus grands joueurs au monde, qui est Mohamed Sarr. Ils n'ont pas pu nous gagner sur le terrain. Nous n'avons pas eu de chance au tir au but. Tous nos joueurs ont bien tiré. Hélas, le gardien n'a pas pu attraper un but. On ne va pas l'en vouloir. Puisque dans le match, le gardien nous a démontré à plusieurs reprises qu'il était chef. On devait être mené au moins 3-0 grâce au gardien. Nous sommes sortis de là vainqueurs. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens actuellement sont déçus, découragés. D'autres sont pleurs. Mes frères, ce n'est pas le moment de pleurer. La défaite est une histoire. La défaite est une leçon. Oui, on dit souvent, découragement n'est pas ivoirien, mais ça n'a pas sa place aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous devons encore nous remobiliser pour dire à nos éléphants, on ne croyait même pas en vous-même.
Parce qu'on n'a pas vu match d'entraînement. Regardez comment notre équipe est allée. Ils n'ont même pas eu de match préparatoire. C'est dans cette compétition que nous sommes en train de voir notre équipe. C'est maintenant qu'ils sont en train de jouer ensemble. Oh, les Égyptiens, eux, jouent tous les dimanches ensemble. Ils jouent dans le même pays. 17 joueurs égyptiens jouent dans le même pays. Nous avons vu une équipe qui s'est battue. Nous avons vu une équipe qui avait la rage en deuxième mi-temps, qui s'est battue et hélas, qui a perdu. On ne va pas cracher sur notre équipe. On ne va pas insulter notre équipe. Je demande aux blogueurs, aux influenceurs de soutenir cette équipe-là. Ils méritent. Ils méritent pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait rêver. On a payé des maillots. Parce qu'on a revu une équipe au temps de Didier Drogba. Maintenant, il faut dire la vérité à nos joueurs. Vous voyez, la bêtise dans laquelle vous ne devez pas entrer, c'est de croire que la compétition est finie. La compétition est finie sur le terrain. Mais pour vous, là, la compétition commence maintenant. Vous avez une Coupe d'Afrique à gagner ici en Côte d'Ivoire. Vous avez une Coupe d'Afrique à jouer en Côte d'Ivoire. C'est plus le moment maintenant d'hésiter. On n'a plus besoin de tout des changements. Concernant le cas de l'entraîneur, je veux me prononcer clairement et posément. À un an de la Coupe d'Afrique, il ne serait pas intelligent de changer d'entraîneur. Je le dis. Je le dis, hein. Je le précise. Peut-être que tout le monde me contredit. Un changement d'entraîneur peut amener un nouveau entraîneur vient. C'est maintenant va chercher à regarder. Qui va. Oh, nous déjà là. On connaît le positionnement de notre équipe. Mathieu, bien. On connaît déjà notre équipe. Faut pas un bâtard d'entraîneur va venir. Changer tout. On casse tout. On recommence tout. Et puis c'est là encore. On va réapprendre à se connaître. Non. L'entraîneur qui est là, là. Avec lui déjà. La seule erreur, c'est qu'au niveau de l'attaque, Zaha commence. Petit entraîneur, je suis en train de sauver le cul de ton poste. Donc apprends à m'écouter. Et puis ton mot dit si tu ne m'écoutes pas. Voilà, moi je te dis ça en même temps. Moi je ne suis pas à m'amuser à toi. Parce que tu es venu dans ce pays-là, on te donne un putain de salaire de merde. Donc on ne va pas jouer à toi. Ton mot dit, quand on ne t'a pas fait écouter, ton mot dit, cette équipe-là, elle peut aller loin. Cette équipe fait peur. Cette équipe n'a pas perdu. Sauf au tir au but, nous n'avons pas eu de chance. Dès lors, nous avons la possibilité maintenant de nous mettre autour de cette équipe et leur dire, nous allons vous pardonner la défaite. À la seule condition que vous attachez vos pines, le temps de Mougou n'est pas encore arrivé. C'est le moment de travailler dur. Parce que l'année prochaine, comme les Camerounais, nous recevons la CAN. Camerounais, vous êtes moqués de nous. C'est pas grave. L'année prochaine, on vous attend à Abidjan. Mais on ne fera pas la même chose. Parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Moi, à partir d'aujourd'hui, tout le monde sait que le cœur de Makoso est camerounais. J'ai deux équipes qui sont actuellement là-bas. J'ai le Burkina Faso. J'ai le Cameroun. Mais qu'est-ce que ce serait magnifique, beau, agréable pour les Camerounais, ce peuple qui traverse des moments, des situations assez difficiles, souvent sur le plan économique, souvent sur le plan du développement. Il ne faut pas se cacher les choses. Le monde entier aujourd'hui est braqué sur le Cameroun. Il y a des véritables problèmes au niveau du Cameroun, sur le plan du développement, sur le plan des financements des projets, sur le plan, je veux dire, de la croissance à tous les niveaux. Beaucoup de Camerounais se plaignent. On voit des manifestations suisses et autres. Ce pays qui connaît, au niveau de la zone anglophone, des moments difficiles, des moments de guerre, de tension. Si cette coupe peut rapprocher, peut unir le Cameroun, donnons-leur notre soutien. Donnons-leur notre main d'association. Moi, je dis aujourd'hui à tous les Ivoiriens, nous nous sommes battus, nous avons perdu. Il ne faudrait pas qu'on garde au cœur. Non, c'est un football. C'est le jeu. Regardez-vous, les Camerounais. Hier, yeah, je vous disais, c'est le jeu. Vous vous êtes moqués de nous. Vous nous avez supportés. Vous avez supporté l'équipe adverse, même sur le terrain. Mais je reviens encore devant vous pour vous dire, nous là, on va vous soutenir. Pourquoi? Parce que nous sommes deux pays frères. C'est souvent ce fair play, cet esprit de taquinement qu'il faut qu'il existe entre nous. Il ne faudrait pas que la haine aille loin.
Il ne faudrait pas qu'il y ait après le mépris. Parce que nous sommes deux pays frères. Dieu a décidé que la Côte d'Ivoire ne sera pas champion d'Afrique au Cameroun. Le Cameroun organise cette compétition. Nous avons un homme que nous aimons bien, que nous aimons tous en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o, pour qui nous avons toujours battu et nous avons souhaité qu'il soit à la tête de l'Afrique à foot. Qu'est-ce qui serait beau, agréable, merveilleux, glorieux de voir que Samuel Eto'o, président de l'Afrique à foot, plusieurs fois champion d'Afrique, détenteur de deux ligues des champions, remporte la Coupe d'Afrique. Samuel Eto'o, vainqueur de la Coupe d'Afrique, nous demandons gentiment à tonton Paul Biya, papa, tu peux maintenant donner le brassard de président de la République à Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o remporte une Coupe d'Afrique avec les Lions, ça là, ça mérite un poste présidentiel. Papa Paul Biya peut maintenant s'asseoir et dire, mon frère, j'ai vu mon héritier, Samuel Eto'o fils, qui après avoir porté la chance à notre pays, nous pensons que Samuel Eto'o peut diriger la destinée du Cameroun. Moi, le président Paul Biya, je prends ma retraite et je donne bonne chance à la jeunesse. Que ce serait beau de voir ce genre de passation. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, laissons la politique, ça ne nous intéresse pas, ça c'est la politique intérieure du Cameroun. Mais, ce soir, j'aimerais dire à tous les Camerounais, aux 2000 personnes qui sont connectées, qui suivent actuellement le général Makosso, oui, la Côte d'Ivoire a perdu. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore perdu. Parce que la Côte d'Ivoire encore a son frère, a son allié, a son époux. Parce que les Camerounais sont nos époux. Voilà, on vous donne nos femmes. Voilà, nos femmes ont perdu. Mais c'est vous maintenant qui allez lever nos têtes. C'est vous qui allez nous donner la joie. C'est vous qui allez relever nos têtes. C'est vous qui allez dire, Ivoiriens, calmez-vous. Nous allons vous monter la vengeance. Camerounais, nous vous confions les Égyptiens. Camerounais, nous vous confions les Égyptiens. Ils nous ont éliminés. Vengez-nous. Vengez-nous. Le pays de Francis Ngannou. Vengez-nous. Le pays de Samuel Eto'o. Vengez-nous. Nous, on a essayé. Voilà. On s'est moqué de vous. On a parlé des tests Covid. Le sort a dit, mes frères, vous oubliez que vous êtes au Cameroun. Kokota, go. On a perdu. Il faut accepter ça. Il faut venir humblement. Dis, je sais que mes frères, ils vont commencer à me taper. Makosso, tu es un lâche. Les Camerounais ne nous ont pas soutenus. Pourquoi tu veux qu'on les soutienne? Hey, moi, je suis un homme de Dieu. J'aime accepter les décisions, des décisions de la nature. On a perdu. Maintenant, là, je supporte le Cameroun. Et je l'ai toujours dit ici, haut et fort, que mon cœur est camerounais. Pourquoi? C'est un peu guerrier. C'est un peu patriote. Regardez, lorsque nous les avons taquinés, combien ils se sont levés comme un seul peuple. C'est ça. Quand la patrie est touchée, on oublie les ethnies, on se rassemble. C'est des choses que nous devons apprendre. L'exemple camerounais doit être l'attitude de la Côte d'Ivoire l'année prochaine face à notre CAN, organisé en Côte d'Ivoire, sous la tutelle du meilleur président africain, son excellence Alassane Dramane Ouattara, celui qu'on appelle tenté regretté. Mes amis, je suis là ce soir. Oui, non, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Félicitations à l'Égypte qui nous a battus. Dans la vie, lorsque tu perds, ne pense pas que c'est une défaite. Il y a des gens ici qui me suivent. Il y a des années, vous avez perdu. Vous avez entrepris des affaires, vous avez perdu. Regardez mon visage. On vient de perdre. Mais est-ce que vous voyez sur mon visage une tristesse? Non. Pourquoi? Parce que c'est un sport. C'est ballon. Un jeu. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Et quand tu perds, oh tu as campion, c'était un beau match, c'était un beau match. On aurait bien voulu gagner, mais malheureusement, dans ça là, tu vas voir que les pauvres vont aller se frapper, des pauvres vont avoir palpitations, des pauvres vont pas dormir à cause des ballons. Mes frères, lendemain qu'on va se réveiller, il y a trois démons qui sont à nos portes, surtout en janvier. Ils sont très nerveux, le loyer, la facture d'électricité et la facture d'eau. Voici les trois démons qui viendront faire co-co-co. Bonjour monsieur. Nous sommes venus encaisser, payer. Donc, c'est la réalité. Félicitations aux Camerounais qui vraisemblablement sont en train d'organiser une CAN. Moi, je ne vais plus rentrer dans les polémiques, dans des débats inutiles. Vous savez, quand Dieu prédestine des choses, il faut le regarder. Dans cette histoire de compétition de CAN, on ne va pas mettre le nom de Dieu dedans.
On ne va pas mettre la prière. J'ai même vu des prophètes commencer à prophétiser. Il faut être positif. Il faut être positif. Il faut dire, je vais gagner. Et quand ce n'est pas le cas, tu te lèves, tu dis, c'est quand même une victoire parce que ça nous a donné, je peux le dire, de la bombe au cœur et autres. Moi, je vais ouvrir le téléphone. Voilà. Je me permets d'ouvrir le téléphone. Non, il faut que toute la Côte d'Ivoire soutienne le Cameroun. Ça, je le dis honnêtement. Il faut que toute la Côte d'Ivoire soutienne le Cameroun parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux frères jumeaux. Nous avons perdu aujourd'hui, mais sachez, peuple camerounais, qu'en ma qualité du président des réseaux sociaux de la Côte d'Ivoire, le président d'honneur, je vous dis ici, voici ma main d'association. Nous soutenons le Cameroun. Dès demain, je me prendrai. Et puis, on ne le fait pas par hypocrisie. Parce que vous aurez pu le dire, ah là, les Ivoiriens maintenant vont essayer de nous. Non, 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 nous, on n'est pas hypocrites. Voilà. Quand on n'était pas d'accord dans cette histoire de Comore, on vous l'a dit. Voilà. Maintenant, nous, on est sortis. On va soutenir qui? Il y a le Burkina Faso qui est là, qui est notre pays. Frère, nous souhaitons qu'ils aillent loin. Et s'ils ont la possibilité de gagner, gloire à Dieu. Mais mon cœur, mon âme souhaite que le Cameroun gagne. Dès lors, en demi-finale, je prends mon billet d'avion et je me rends au Cameroun pour soutenir le Cameroun. Ça, je le dis. Je prends l'engagement parce que j'estime que le Cameroun, cette victoire camerounaise à la CAN serait un grand pas, un grand bonheur pour tout un peuple. Le Camerounais vit football. Le Camerounais respire football. Le Camerounais parle football. Dans leur pays, s'ils perdent la CAN, ça sera tragique. Je vous dis, ça sera tragique. Regarde, ça serait tragique. Regardez tout dernièrement. On a eu déjà des morts pour des personnes qui voulaient voir le football, soutenir leur équipe camerounaise. Vous nous donnez une grande leçon de patriotisme. Vous êtes en train de nous donner un exemple de soutien à son équipe. Voilà. Donc, sachez, pour moi, Camille Makoso, si les Camerounais, hier je l'ai dit, pour tous les Camerounais qui ont été blessés parce qu'on s'est chahuté sur les réseaux sociaux, hier j'ai eu l'humilité de vous demander pardon. J'aurais souhaité encore le Cameroun en demi-finale pour les chicoter. Mais hélas, nous ne sommes pas en demi-finale. Nous sommes éliminés de la compétition et nous avons un frère, le pays de Francis Ngannou, qui continue la marche, qui sont en quart de finale. Joueur camerounais, oui. Oui, nous sommes éliminés. Ça fera rire. On va se moquer. On va se moquer. Judas est sorti. C'est bien, c'est le sport. C'est le game. C'est le game. Mais nous souhaitons que le peuple camerounais reste debout derrière leur équipe. Nous souhaitons que les joueurs camerounais puissent regarder à tous ces pays qui les soutiennent. Et que cette CAN puisse être camerounaise pour que Samuel Eto'o, qui s'est battu pour que cette CAN ait lieu, puisse être aussi honorée. Sincèrement, on souhaite bonne chance au Cameroun. Moi, je le parle avec mon cœur. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils savent que venir être hypocrite, je ne sais pas le faire. Si je ne veux pas soutenir le Cameroun, ils disent, on souhaite qu'ils vous aident. Vous êtes content d'être éliminé. Non, non, non. Souhaitons pas le négatif aux gens. Dans la vie, il faut toujours souhaiter le meilleur. Il faut souhaiter le bonheur. Il faut toujours souhaiter, je peux le dire, ce qui est agréable à l'autre qui est en face de toi. Raison pour laquelle j'aimerais annoncer ici un message. Voilà, j'ai une information à donner. Mathieu, il y a 1000 personnes à qui nous allons remettre aujourd'hui 20 euros. Ça fait combien? 1000 personnes qui reçoivent 20 euros, ça fait combien? Non, 1000 personnes qui reçoivent 20 euros, ça fait 20 000 euros. On va monter à 40 000 euros. 2000 personnes vont recevoir 20 euros. Vous allez me dire, oh, mais ce n'est rien. Mais ça peut au moins prendre le soin de payer un ticket de train. Ça peut permettre à ton parent qui est en Afrique de déguster quelque chose. Et ça, c'est pour tous les Camerounais. Je m'adresse ce soir à tous les Camerounais. Le général Camille Makoso et son partenaire. Senwave. Le général Camille Makoso et son partenaire. Senwave. Les Ivoiriens, je prends 2000. Les Camerounais, je prends 2000. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Il existe une application, écoutez-moi bien, qui est partenaire avec moi et qui a décidé de m'accompagner dans mon programme de lutte contre la pauvreté. Ce partenaire s'appelle Senwave. C'est son logo qui est marqué sur le petit écran. Il s'appelle Senwave. J'ai dit à mes partenaires Senwave, aujourd'hui, pour le match de la Côte d'Ivoire, je souhaiterais offrir 20 euros à 2000 personnes. Je vais monter à 4
4000. 22 000 personnes ivoiriennes et 2000 personnes camerounaises. C'est une application avec laquelle vous avez la possibilité, à l'instant même, d'envoyer rapidement de l'argent à vos parents. Plus question de Western Union, plus question de RIA, plus question de... Non, MoneyGram, c'est terminé. Vous prenez l'application, vous mettez le montant, vous tapez, vous mettez le numéro de téléphone, vos parents le reçoivent automatiquement. Donc, les 20 euros que vous allez recevoir, vous pouvez l'amener à part Orange Money à vos parents pour leur dire, va m'acheter une bière et bois à ma santé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment télécharger l'application? Allez sur App Store ou sur Play Store. Tapez SendWave. Tapez SendWave. Vous téléchargez l'application. Vous allez voir sur le titre que j'ai marqué, il y a un lien. Quand vous cliquez sur le lien, le code promo, vous tapez Makoso. Le code promo, c'est Makoso. Une fois que vous tapez le code promo, automatiquement, vous recevez 20 euros. Je dis bien automatiquement, vous recevez 20 euros. De façon automatique. Deuxième des choses que j'ai appris le soin de faire, c'est mon livre le plus redoutable. Le voici. Les secrets de la réussite. Ce livre a changé la vie de plus de 15 000 personnes en 2021. J'ai décidé de le remettre à 5 000 personnes gratuitement. Je répète, vous vivez au niveau de la France. Vous vivez au niveau des États-Unis, de l'Afrique. Voici ce livre. Je vais le remettre gratuitement aux 5 000 premières personnes. Vous allez prendre le soin de m'écrire sur l'application Telegram. Si vous n'avez pas Telegram, je permets aujourd'hui par WhatsApp. Mathieu, mets mon numéro WhatsApp 00225 0709 50 93 59. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez m'écrire. Ce livre, nous sommes en janvier. Et en janvier, le premier désir d'un être humain, ça doit être la réussite. Et je prophétise sur tous ceux qui partagent la vidéo et qui mettent les cœurs, que 2022 soit pour vous une année de richesse, une année de domination, une année de victoire. Ce livre explique toutes les stratégies de la marmaille. Tous ceux qui ont déjà lu le livre, écrivez qu'est-ce que le livre vous a apporté. Il y a des gens qui me suivent, qui ont déjà lu le livre. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voici le livre. Je le remets gratuitement. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp. 00225 07 09 50 93 59. Je répète, c'est mon WhatsApp personnel. C'est le 0. Tous ceux qui sont au niveau de la France, écrivez-moi rapidement. Parce que pour ceux qui sont en France, j'ai un autre cadeau que je dois ajouter. Tous ceux qui sont au niveau de la France, écrivez-moi, dites mon général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont au niveau de la France, j'ai un deuxième cadeau à ajouter à ce livre. Ce cadeau vous sera remis. Je pense qu'il y a des gens qui veulent réussir dans leur vie. Camille Makoso n'est pas un voleur ni un escroc, comme certains essayent de faire croire, mais est un homme qui a un cœur et qui veut aider tout le monde. Ce livre, il fait exactement 236 pages. Il est vendu sur Amazon à 20 euros. Donc vous multipliez 5 000 personnes par 20 euros, je l'offre gratuitement. Écrivez-moi sur mon WhatsApp d'Abidjan. 00 225 07 09 50 93 59. Dites mon général, je veux mon cadeau. Dites mon général, je veux mon cadeau. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez Camerounais, que vous soyez Béninois, tous ceux du monde entier qui m'écoutent à cet instant précis, écrivez-moi, c'est le cadeau que je fais. Malgré la défaite, j'offre cela. Deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est l'argent. 20 euros gratuitement. Pour tous ceux qui sont Camerounais, Ivoiriens, Burkinabés. Si vous vivez en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, téléchargez maintenant l'application SendWave. Maintenant. Et vous prenez le soin de m'écrire sur mon WhatsApp. 00225 07 09 50 93. Mon général, je veux,
Je veux mon cadeau. Si vous lisez ce livre, le blanc dit pour cacher une vérité à un noir, mettez-le dans un livre. Ce livre a changé. En 2021, j'ai fait un chiffre d'affaires dans le domaine de l'immobilier de 800 millions de francs CFA. J'ai dit bien 800 millions. Si vous voulez acheter des terrains en Côte d'Ivoire, passez par moi. Vous voulez acheter des maisons de 6 pièces à 60 millions de francs CFA au lieu de 80 millions au niveau de Benjéville. C'est le général Kami Makosso. Je suis dans l'immobilier désormais depuis plus de 3 ans. Nous avons une expérience extraordinaire. Comment j'ai fait pour réussir? Pourtant, dans mon parcours, j'ai fait 2 fois la prison. En temps normal, je dois être une personne à qui on ne doit jamais faire confiance. Mais quels sont mes secrets de réussite? J'ai perdu ma femme. Mais pourquoi j'ai cette force de toujours vouloir avancer? Tous les secrets sont mis dans ce livre. Si tu es pauvre, où que tu sois au Congo, au Gabon, si tu ne m'écris pas pour dire mon général, je veux mon cadeau, c'est que toi tu es un sorcier, c'est que toi tu refuses. Je te le donne cadeau. Je ne te demande rien. C'est gratuit. Totalement gratuit. J'ai même créé un groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, tout le monde l'a déjà reçu. Combien de personnes? Permettez-moi de le vérifier. On va retourner dans le groupe Telegram. On retourne dans le groupe Telegram. Nous sommes 14 000 dans le groupe. Regardez là. Regardez là. Nous sommes 14 800. Voici le livre ici. Voici le livre ici. Voici le livre. Combien de personnes l'ont reçu? 21 000 personnes ont téléchargé. 21 000 personnes ont téléchargé le livre. Je l'ai donné gratuitement. Le voici qui est là. Ça, c'est l'ancienne couverture. Voici l'ancienne couverture. Voici la nouvelle couverture. C'est le même contenu. Je l'offre gratuitement aux 5 000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp. Je reste sur ça. Je veux voir les personnes écrire. Où que vous soyez, quelqu'un dit on ne voit rien. Le voici. Pour ceux qui sont sur Instagram, voici le livre ici. Le voici qui est là. Dans mon groupe Telegram, c'est un groupe dans lequel nous formons des personnes. C'est un groupe dans lequel nous finançons des projets. C'est un groupe dans lequel nous mettons en réseau pour permettre à des personnes de pouvoir investir dans certains secteurs. Parce que au-delà du football, de la compétition, l'un des éléments qui doit être votre devise en 2021, c'est la réussite. La percée financière. Parce que 2022, pour tous ceux qui voient, pour tous ceux qui consultent, la révélation sort en disant que 2022 est une année financière. Donc, est une année d'argent. Donc, celui qui en 2022 ne réussit pas sur le plan financier, c'est parce que cette personne a refusé. Or, l'une des premières clés sur le chemin de la réussite, c'est l'expérience. C'est la connaissance. La Bible déclare, mon peuple périt. Donc, Dieu dit, le chrétien, le musulman qui considère comme son peuple, peut périr. Pourquoi? Parce qu'il manque un élément essentiel à la vie qu'on appelle la connaissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce livre. Je mets quiconque au défi. J'ai dit bien, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de prendre ce livre, de le lire. Et si tu n'es pas riche, ma fille a 17 ans. Elle s'appelle Kimberly. Elle est chef de son entreprise. Celle que je le finance. Elle a commencé son entreprise avec son argent de poche que je lui donnais. Et je lui donnais combien argent de poche? 20 000 francs par semaine. Ma fille a utilisé cela. Elle a créé sa communauté. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Souvent, elle tape des chiffres d'affaires de 500 000 francs par mois. Comment elle le fait? Par les stratégies qu'elle a lues dans ce livre. Lolo Beauté est ma petite soeur. Même père, même mère. On l'appelle aujourd'hui Maman dans deux avions. J'ai donné 2 secrets à Lolo Beauté. Le premier secret, c'est dans ce livre. Et le deuxième secret, le voici. Ce sont les parfums juifs. Le voici. Ce sont les parfums juifs. L'homme est un esprit qui peut dégager une odeur de mort. Et chaque année est un esprit. Ce parfum que vous voyez là, tous les juifs vont l'utiliser en 2022 dans le domaine des finances pour attirer vers eux la chance. Quand vous rentrez dans toutes les boutiques libanaises, mauritaniennes, vous avez l'impression qu'ils mettent un parfum. Il y a une odeur. Mais quand vous remarquez les activités, c'est une activité d'accélération dans le domaine des finances. Ils viennent sur notre continent. Ils viennent dans nos pays.
et il domine les finances. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise un élément essentiel qu'on appelle le mystère des odeurs. La Bible dit aux uns une odeur de mort qui provoque la mort, et la Bible dit aux autres une odeur de vie qui provoque la vie. 2000 personnes vont recevoir cet élément en bâtissant une alliance, en soutenant des veuves et des orphelins. Mon WhatsApp, je l'ai donné. 00227 07 09 50 93 59. Écrivez-moi, dit général, je veux bâtir mon alliance. Vous savez, la vie est un choix. Moi, j'ai fait le choix de la réussite. Mon objectif en 2022, c'est faire 2 milliards dans le domaine de l'immobilier. Comment le faire? La première clé, c'est d'abord avoir la rage dans son cœur. La deuxième clé, c'est d'oublier les événements du passé. Il y a des choses que tu as vécues dans le passé qui t'ont marqué, qui t'ont traumatisé. Ça peut être un décès. Ça peut être la perte de ton mari. Ça peut être le départ d'un homme. Ça peut être l'échec dans une affaire. Tant que tu ne les oublies pas, tant que tu gardes cela dans ton esprit et dans ton cœur, tu ne pourras jamais évoluer. Car la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18, « Oubliez les événements du passé. » Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Le troisième code sur le chemin de la réussite, c'est d'avoir un rêve. Nous sommes rentrés en 2022. C'est vrai, il y a la passion du football. Mais quel est ton rêve? Mon rêve ne se définit pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont perdu, c'est fini. Eux, ils ont les milliards. Mais moi, je deviens quoi demain? Tu vas rentrer dans l'émotion. Oui, le football, mon frère. C'est pas le football qui paye ta maison. Nous sommes dans des réalités. Moi, j'ai fini de regarder ce match-là. La Côte d'Ivoire a perdu, c'est terminé. Le reste qui m'intéresse, ce sont mes défis de cette année 2022. Toi, quels sont tes défis? Quels sont tes défis? Quel est ton rêve? Quelles sont tes ambitions? Maintenant, comment réaliser son rêve? Comment atteindre ses objectifs? Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Nous aurons 3 jours. Je vais te donner des révélations trop dangereuses. Mais tout le secret se retrouve dans ce livre. Si vous avez ce livre, il vous serait impossible d'échouer en 2022. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je parle maintenant et je m'adresse à 5000 personnes. Je parle maintenant et je m'adresse à 5000 personnes. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp, 00227, 07, vous n'avez rien à perdre. Mon frère, tu n'as rien à perdre. Je répète, tu n'as rien à perdre. Écris-moi maintenant. Tu veux réussir. Tu veux que l'année 2022 sorte de la pauvreté. Tu enfonces depuis des années. Ta vie n'avance pas. Mon frère, tu as consulté des pasteurs. Voici ta solution. Ce livre va bouleverser ta vie. Et tu n'as rien à payer. C'est moi qui te l'offre. La seule chose que tu dois faire, même si tu es maudit, même si tu n'aimes pas Makoso, même si tu es possédé, c'est de prendre ton téléphone et puis d'amener un message WhatsApp. Je veux mon cadeau au 00225 07 09 50 93 59. Que Dieu bénisse l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir fait rêver. Que Dieu bénisse le Cameroun. Nous souhaitons une bonne compétition à toutes les autres équipes. Mais je supporte désormais le Cameroun. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Opportunité, opportunité en or à saisir dans la commune de Benjerville, juste en face du petit marché d'Akandje à 200 mètres du goudron. Des lots de 600 mètres carrés sont à vendre à hauteur de 50 millions de francs CFA. Précision, lotissement approuvé par arrêté ministériel. Site décapé, borné, les ouvertures de voies effectuées. L'eau potable disponible, un site à habiter immédiatement. Terrain livré avec ACD. Infoline plus 225 07 59 75 18 10 05 05 63 06 07 et le 01 50 50 50 31. Opportunité à ne rater sous aucun prétexte. Viens récupérer ton lot. Chap, chap.